Ce chapitre-là, en fait, il va vous demander de savoir utiliser la calculatrice. Donc, c'est pratiquement que l'utilisation de calculatrice. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, vu que je ne vous ai pas distribué les polys, je vais utiliser le cours que vous trouverez sur le site de un professeur qui s'appelle Yves Monca, vous devez connaître. Son site c'est Math Éthique, Math E-E-T et Éthique T-I-Q-U-E-S. Là vous tapez Yves Monca et vous retrouverez le poly si vous voulez l'imprimer. Ensuite, doucement, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous allez sur ce site-là. Là, vous pouvez pas voir. En Google, vous tapez ça. Math éthique. Voilà, vous tapez math éthique. Et après, vous allez sur le premier lien. Donc là, vous ne voyez pas parce qu'il est à gauche. Voilà, et après, vous avez cours exercice. Vous allez dans terme STMG. Et vous allez dans loi normale. Voilà, et après, vous avez le PDF là. Si vous l'imprimez. Et. Dans la description, je vous mettrai comment on utilise les liens en fait pour utiliser la calculatrice. Donc en fait, là, c'est pratiquement que de l'utilisation de calculatrice dans ce chapitre-là. Donc, il faut absolument voir le lien. Le lien, les vidéos, les exemples. Voilà. Donc, je vais vous expliquer le cours. Je vais vous expliquer le cours. Je vais vous le commenter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser après. Donc, je vais vous commenter le cours et à la fin, je vais vous laisser trois petits exercices, pas très difficiles à faire, que vous devrez m'envoyer. Voilà. Et après, je vous donnerai des exercices type bac. Voilà. Et après, on passera au dernier chapitre qui est là, échantillonnage et estimation. Et on aura fini. Et à la rigueur, à la fin, je vous ferai un petit devoir bilan qui sera pas noté, mais voilà, un petit bilan. Donc je reviens sur le cours. Donc le chapitre s'appelle loi normale. Donc grand 1 vers la loi normale. Donc exemple d'introduction. Un site de vente en ligne de vêtements établit le bilan des ventes par taille. L'histogramme ci-contre résume ce bilan. Donc l'histogramme c'est que les barres bleues pour l'instant, on ne s'intéresse pas au trait rouge. D'accord? Donc en gros ici on a la taille sur les abscisses, c'est là pourcentage. En gros ici ça veut dire que 1% des ventes, 1%, parce que là c'est 1%, 1% des ventes concerne la taille 34. D'accord? Donc on désigne par X la variable aléatoire qui met la taille souhaitée par un client connecté. X prend les valeurs entières dans l'ensemble 34, 35, 36 jusqu'à 48, d'accord? De 34 jusqu'à 48. D'accord? Donc on a par exemple la probabilité, donc P là c'est-à-dire ça, la probabilité. En gros, quand on va tirer au hasard, la probabilité que la taille souhaitée par le client est 40. 40, elle est de 16%. D'accord? Là, c'est pour juste vous montrer comment on lit le graphique. La probabilité que la taille souhaitée, parce que x, la variable x, elle correspond à la taille souhaitée par le client. Alors, la probabilité que la taille souhaitée par le client est 45. 45, c'est 4%. D'accord? Donc ici. Dans cette partie-là, vous l'avez déjà vu en seconde et en première. Ici, c'est des valeurs précises 34, 35, 36, 37. D'accord? Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs discrètes. D'accord? C'est des valeurs précises. Voilà, des variables quantitatives discrètes. Et donc, nous, vous allez voir qu'on va s'intéresser à des valeurs continues, c'est-à-dire sous forme d'intervalle. Donc on verra après, je vous l'expliquerai ici. Donc on a encore la probabilité que la taille souhaitée, x, c'est la taille souhaitée, soit comprise entre 37 et 40. Donc entre 37 et 40, donc c'est-à-dire qu'il faut additionner le pourcentage pour 37, 5%, 9%, 13% et 16%, d'accord? 5 plus 9 plus 13 plus 16, ça fait 43%. Voilà, donc maintenant regardez bien, on a tracé la courbe d'une fonction f, qui s'appelle
s'approche de l'histogramme. Donc qui s'approche de l'histogramme. En gros, qui est proche des barres là. Dans ce cas, on considère la variable aléatoire Y. Donc maintenant, c'est une nouvelle variable aléatoire qui donne la taille souhaitée par le client connecté. Mais là, dans ce cas-là, Y prend des valeurs réelles. Là, c'est des valeurs entières. Là, c'est 34, 35, 36. Là, c'est des valeurs réelles. En gros, on pourrait avoir 34,8, 34,5, la taille 34,5, etc., etc. Donc là, c'est des valeurs réelles entre 34 et 48. C'est-à-dire la taille 38,5, 38,5, on peut l'avoir. Alors que pour les valeurs entières, on ne pouvait pas l'avoir. Donc c'est pour ça qu'ici, maintenant, on va s'intéresser dans ce chapitre-là, pour la loi normale, on va s'intéresser à des valeurs quantitatives continues. Et quand c'est continu, en gros, sous forme d'intervalle. D'accord? Ça prend des valeurs réelles. Donc en gros, maintenant, la probabilité que la taille souhaitée par le client soit entre 37 et 40, donc il y a 37,5, 37 et 3 quarts, 38, etc., correspond. Donc maintenant, la probabilité, elle va correspondre à l'aire sous la courbe de la fonction f entre les droites d'équation x égale 37 et x égale 40. Je vous rappelle que les droites d'équation x égale 37, c'est des droites verticales. Quand c'est x égale un nombre, c'est des droites verticales. Donc, cette droite-là, et x égale 40, cette droite-là. Et sous la courbe, en dessous de la courbe et au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc en gros, c'est la partie bleue là. Donc c'est cette aire là qui nous intéresse. Et cette aire là, elle correspondra à la probabilité que la taille soit comprise entre 37 et 40. Et on va apprendre à calculer. Et en termes de l'STMG, donc là, vous n'avez pas besoin de savoir la calculer à la main. Vous allez apprendre à utiliser la calculatrice. Il aurait fallu utiliser des intégrales, mais ce n'est pas dans votre programme. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste comprendre que maintenant, la probabilité, dans ce cas-là, ce sera en fait, on va chercher à calculer l'aire qui est sous la courbe. Et il va falloir utiliser la calculatrice. Il y aura plusieurs cas de figure, donc il faudra bien faire attention. Donc, petite définition. Donc, courbe représentative de la fonction associée à la loi normale. Donc, quand on a affaire à une loi normale, la courbe, elle ressemblera toujours à ça. Alors, à forme d'une cloche. D'accord? Et si vous remarquez bien, cette courbe-là, elle admet un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est cette droite-là. X égale à, et cette lettre-là, en fait, c'est un nombre, mais c'est une lettre grecque qui s'appelle mu. X égale à mu. Donc, la courbe représentative de la fonction associée à la normale est une courbe en cloche symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu. C'est important de se rappeler de ça. Donc, ensuite, grand 2, espérance et écart type d'une loi normale. Donc, définition. Donc, vous avez vu, on a bien deux courbes en cloche et symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu. Et en fait, mu, définition, l'espérance notée mu donne la valeur moyenne. En fait, ça correspond à la valeur moyenne. D'accord? Donc, faut pas être paniqué par les nouveaux mots. Donc, l'espérance, quand vous verrez l'espérance, en gros, on cherche à déterminer la moyenne. Et elle sera notée mu. Ce sera un nombre, ce sera une valeur. Et là, regardez en fait la différence entre ces deux courbes. Donc, on a la même moyenne. On a la même moyenne, mais on n'a pas le même écart type. Et ça, c'est une lettre grecque, elle s'appelle sigma. D'accord? Donc là, le sigma, il est petit, et là, le sigma, il est grand. Donc vous avez vu, plus c'est resserré, plus la courbe, elle est... En fait, il n'y a pas beaucoup d'espace entre ces deux bords-là. Plus c'est resserré, plus c'est petit, plus le sigma, il est petit. Et plus c'est écarté, plus le sigma, il est grand. En gros, plus la courbe, elle est aplatie, plus c'est grand, plus elle est comme ça, forme de montagne, là, de pic, plus le sigma, il est petit. L'écart type noté sigma donne la dispersion autour de la moyenne. Donc en gros, comment les valeurs elles sont éloignées de la moyenne. Et en gros, je vous ai récupéré une définition que j'ai trouvée sur internet. Donc l'écart type, c'est un indicateur de dispersion. Il nous informe sur la manière dont les individus se répartissent autour de la moyenne. Sont-ils tous à peu près identiques, concentrés autour de la moyenne? Au contraire, sont-ils dispersés entre des valeurs très basses et des valeurs très hautes? En gros, l'écart type est l'écart moyen à la moyenne pour tous les individus. En gros, c'est on regarde l'écart de, on regarde chaque individu son écart avec la moyenne. Donc, on récupère tous les écarts de toutes les valeurs et on fait la moyenne de ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'écart type est l'écart moyen de la moyenne. Si celui-ci est faible, les individus formulent les réponses similaires. Si celui-ci est fort, les variations sont fortes dans la population étudiée. Donc, si on revient ici, en gros, plus c'est petit, plus l'ensemble des valeurs elles sont proches les unes des autres.
Et plus c'est la courbe elle est écartée, plus les valeurs elles sont dispersées autour de la moyenne. Donc en gros, si on prend un exemple, et ici, si l'écart type est supérieur à 0,5 fois la moyenne, on peut donc considérer que les variations sont fortes. Donc ça, c'est pas très important de retenir ça dans la leçon, mais bon, on va voir quand même. Pour illustrer nos propos, prenons un exemple. 21 étudiants reçoivent une note sur 20 en statistique. Les voici. Donc ça, c'est les notes des étudiants 1, 3, 3, 4, 7, etc. Quand on fait le calcul de la moyenne, donc pour calculer la moyenne, on additionne tout. Et comme il y a 21 notes, on fait 200. Donc quand on additionne tout ça, fait 210 divisé par 21 notes. Donc 210 divisé par 21, ça fait 10. D'accord? Donc la moyenne, c'est 10. Et l'écart type, je ne vous donne pas la formule, vous avez dû la voir en 1 seconde. Normalement, c'est la racine carrée de la variance. Donc là, je ne vous redonne pas les calculs, comment on fait pour les calculer. Mais en gros, on trouve 5,93. C'est l'écart type. Donc c'est l'écart moyen à la moyenne. Donc c'est 5,93. Et en gros, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que les valeurs sont plus ou moins éloignées de la moyenne. Là, quand on regarde, on voit tout de suite que l'ensemble des valeurs, elles sont très dispersées par rapport à la moyenne. Parce que la moyenne, c'est 10. On a des notes à 1, 3, 3, 4, et on a des notes à 19, 18, 20. Et en gros, pour savoir ça, on fait la moyenne divisée par 2, la demi-moyenne en fait. Donc ça fait 5. Et comme l'écart type est plus grand que 5, ben, dans ce cas, la dispersion est forte. Et bon, ça fait pas partie du chapitre. Mais c'est juste pour vous expliquer en gros à quoi ça peut correspondre l'écart type. Donc la suite du cours. Donc remarque, la courbe est d'autant plus resserrée autour de son axe de symétrie que l'écart type sigma est petit. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc petit 2, cas particulier de la normale centrée réduite. Donc là, c'est un cas particulier. C'est que la courbe ici, elle est centrée. C'est-à-dire que l'axe de symétrie, c'est x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Et l'écart type, c'est 1. Donc pour une loi normale centrée réduite, l'espérance est égale à 0 et l'écart type est égal à 1. Donc, grand 3, probabilité sur une loi normale. Donc là, vous avez vu sur le. Vous avez des vidéos pour vous expliquer. Donc moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner deux exercices. Vous pouvez les retrouver sur le site là que je viens de vous donner. Donc Mathétique. En cliquant dessus, vous les aurez. Donc, méthode calculer une probabilité pour une loi normale. Donc là, on a un exemple comme ça, vous allez un peu mieux comprendre et vous allez voir la calculatrice. Donc pour l'instant, je ne vous montrerai pas moi comment on fait la calculatrice. Vous allez d'abord regarder les vidéos que je vous ai demandé de regarder. Et la prochaine fois, quand je corrige les exercices, je vous montrerai l'utilisation de la calculatrice. Par contre, moi, j'ai qu'une TI, j'ai pas de Casio. Donc une compagnie de transport possède un parc de 200 cars. On appelle x la variable aléatoire qui a un car choisi au hasard associé à la distance journalière parcourue. Donc en gros, on a 200 cars. C'est comme si on allait dans un parking. Il y a les 200 cars et on choisit au hasard. D'accord? On appelle x la variable aléatoire qui a un car choisi au hasard associé à la distance journalière parcourue. Donc on choisit un car au hasard et en gros, on va regarder la distance qu'il parcourt par jour. On suppose que x suit la loi normale d'espérance, mu égale 80, et d'écart type sigma égale 14. Donc en gros, en moyenne, les 200 cars ils parcourent 80 km par jour et l'écart à la moyenne. Il est de 14. Donc, quelle est la probabilité à 10 puissance moins 3 près qu'un car parcourt entre 70 et 100 km par jour? D'accord? Et donc, comme c'est une loi normale, donc si on revient ici, il va falloir chercher à calculer une probabilité de cette façon-là. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité donc qu'un car parcourt entre 70 et 100 km. Donc là, ce qu'on va chercher à calculer, c'est P de x compris entre 70 et 100 km. Donc là, il n'a pas indiqué ici dans sa réponse. Mais ici, ce qu'on cherche à calculer dans la première question, c'est ça. Je vais vous l'écrire. C'est P de x compris entre 70 et entre 70. Et 100 km. Voilà, et après on va utiliser la calculatrice et on va trouver la valeur. Donc pour une TI, pour une Texas Instruments, il faut taper sur les deux touches seconde, ensuite et variable distrib, puis saisir ça. D'accord? Donc ici, 70 c'est la borne inférieure, 100
c'est la borne supérieure. 80, c'est l'espérance, c'est mu. Et 14, c'est sigma. D'accord? Il faut le donner dans le bon ordre. Donc, l'étape est normale, fret. Pour les casuos, donc touche à touche option. Puis dans l'ordre stat, distrib, norm, MCD. Et même chose, là, faites attention, c'est pas dans le même ordre. C'est d'abord sigma et ensuite mu. D'accord? La moyenne et ensuite l'écart type et la moyenne. Alors que pour été, c'est moyenne, écart type. Donc les résultats. Donc avec GeoGebra, donc là je ne vous demande pas d'utiliser GeoGebra, mais avec GeoGebra, en allant dans le menu calcul de probabilité et saisir les paramètres dans la fenêtre qui s'ouvre. Donc en gros on obtient une courbe qui est comme ça. Donc c'est bien une courbe représentative d'une loi normale, c'est une cloche là comme ça. Donc entre 70 et 100. Donc en gros on cherche à calculer l'erreur qui est ici. D'accord? Et quand on cherche à calculer, on trouve ça. 0, vous devez trouver ça à la calculatrice, 0,6859. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la probabilité qu'un car parcourt entre 70 et 100 km par jour est d'environ 68,6%. Voilà. Et donc avec les TI, quand vous faites ça. Non, c'est bon. Donc vous faites avec votre TI. Vous faites cette manipulation-là. Je reviens à la page d'avant. Vous faites cette manipulation-là. Et vous devez trouver 0, c'est 1859. Donc faites-le. Et si vous n'y arrivez pas, ben, vous me dites. J'essaierai de voir. Vous aider à distance. Ensuite, la question 2. Maintenant, moins de 90 km par jour. Donc, moins de 90 km par jour. Ça veut dire qu'on va chercher à calculer quoi? On cherche à calculer P de x inférieur ou égal à 90. D'accord? Donc, si on reprend la courbe là, c'est tout ce qu'il y a avant jusqu'à 90. 90 ici, d'accord? Donc là, j'ai pas mis la courbe. On n'a pas mis la courbe. Mais en gros, on fait la même chose. Mais en fait, pour la borne inférieure, on va mettre une valeur très 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 petite. Parce que c'est x inférieur ou égal à 90. Donc en gros, c'est comme si c'était moins l'infini. Moins l'infini, c'est pas une valeur. Donc on va mettre une valeur très 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 petite. Moins 10 puissance 99, 90, 80 et 14. Et je vous montrerai, il y a une autre méthode. Mais bon, pour l'instant, je vous laisse faire cette méthode-là. Donc x, il est compris entre une valeur très très petite, 90. Après, on marque l'espérance, sigma. Et normalement, vous trouvez 0,762. Donc ça veut dire quoi? La probabilité qu'un car parcourt moins de 90 km par jour est d'environ 76,2%. Donc si on tire au hasard, donc la probabilité qu'un car ait parcouru, parcourt moins de 90 km, c'est 76,2% d'écart, de l'ensemble d'écart. Et la question 3, c'est plus de 100 km par jour. D'accord? Donc là, c'est P de x supérieur à 100. D'accord? Donc là, on cherche à calculer P de x supérieur égal à 100. Donc là, on fait la même chose, le même truc. La borne inférieure, on va mettre 100. Donc x, c'est plus petit que 100. Et après, ça va jusqu'à l'infini. Mais l'infini, ce n'est pas une valeur. Donc on va mettre une valeur très 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 grande. Donc 10 puissance 99, c'est vraiment grand. C'est un 1 avec 99 zéros. D'accord? Et on fait la même chose ici. Et je vous montrerai aussi une autre méthode avec calculatrice. Donc là, et après, vous trouvez 0,077. Donc la probabilité qu'un car parcourt plus de 100 km par jour est d'environ 7,7%. Maintenant, méthode. Utiliser un intervalle de sigma. Donc une variable aléatoire x suit une loi normale d'espérance fin et d'écart type 3. Donner un intervalle de centre 20 qui contient environ 95% des valeurs prises par x. Et donc là, vous allez voir, là, vous ne pouvez pas répondre tout de suite parce que vous devez savoir que, avant de lire la deuxième question, ça, vous devez savoir ça. Donc ça, c'est du cours. Donc propriété. La probabilité qu'une variable aléatoire soit comprise entre l'espérance mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Donc là, en gros, regardez, vous avez la courbe ici. On a mu, la moyenne. Après, on prend l'écart type. L'écart type, ben, ça dépend de l'exercice, la valeur que vous aurez. Donc, on prend la moyenne, on rajoute deux fois sigma. On rajoute deux fois sigma. Ici, on arrive ici. Et on fait moins 2 sigma. Donc, tout ce qui est compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, à chaque fois, dans tous les cas, pour une loi normale,
ça doit faire 0,95. Ça correspond à 95% des valeurs. Donc là-dedans, ça représente 95% des valeurs. Donc si on revient ici à l'exercice, une variable aléatoire x suit une loi normale d'espérance 20. Donc on connaît l'espérance, c'est 20. On connaît l'écart type, c'est 3. Donner un intervalle de centre 20 qui contient 95% des valeurs prises par x. Nous, on cherche juste l'intervalle. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste l'intervalle. C'est quelle est la valeur minimale là et quelle est la valeur maximale ici. Donc là, ce qu'on sait, c'est que d'après le cours, donc on donne ça, on sait que P de 20, parce que 20 c'est l'espérance, et l'écart type c'est 3. Donc mu c'est 20, P de x compris entre 20 moins 2 fois 3 et 20 plus 2 fois 3, ça fait 0,95, c'est une propriété. Vu que ça soit ça une normale, ça c'est toujours vrai. Donc là on a juste remplacé les valeurs. Donc ça veut dire quoi? X il doit être compris entre combien et combien? X doit être compris entre 14 et 26. D'accord? Donc c'est ça qu'on cherchait. X compris entre 14 et 26. D'accord? Donc la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 14 et 26 est de 95%. 0,95. Deuxième question. Une usine fabrique des boulons en aluminium. Un boulon est de taille conforme lorsque son diamètre est compris entre 29,8 mm et 30,2 mm. La probabilité qu'un boulon prélevé au hasard soit conforme est égale à 4 à 0,95. Donc en gros, on a des boulons, on les tire au hasard, et la probabilité de tomber sur un boulon qui est conforme, c'est-à-dire qui ne présente pas de défaut, c'est-à-dire qui a un diamètre compris entre 29,8 mm et 30,2 mm, est de 95%. 95% de chance de tomber sur un boulon qui n'est pas défectueux, qui est conforme. La variable aléatoire x donnant le diamètre d'un boulon suit une loi normale d'espérance 30 et d'écart type sigma. Et là, on cherche à déterminer sigma. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que on a 95% de chance de tomber sur un boulon conforme. Donc ici, on sait que P de 30, parce que 30, je vous rappelle, c'est l'espérance. En moyenne, c'est-à-dire quoi? L'espérance 30, c'est-à-dire qu'en moyenne, les boulons, ils mesurent 30 mm de diamètre. Donc 30, mais on ne connaît pas sigma. Mais nous, on sait ça. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que P de mu moins 2 sigma, x compris entre P de mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, ça va faire 0,95. Donc là, on remplace mu, c'est 30, sigma, on ne connaît pas. Donc P de 30 moins 2 sigma. Et 30 plus 2 sigma, ça doit faire 0,95. Et d'après l'énoncé, on sait que 95% des boulons sont conformes. Ça veut dire quoi conforme? Ça veut dire qu'ils sont compris entre 29,8 et 30,2. Ça veut dire que P de x compris entre 29,8 et 30,2, ça fait aussi 0,95. Donc on a deux choses. On a ça c'est d'après l'énoncé. P de x compris entre 29,8 et 30,2, c'est 0,95. Et on a la propriété du cours. Et on a ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30 moins 2 sigma, c'est égal à 29,8. Et 30 plus 2 sigma, c'est égal à 30,2. D'accord? On n'a qu'une équation à résoudre. On peut faire les deux. On va trouver la même chose, mais on peut en prendre qu'une seule. Donc là, en gros, il a pris que celle-ci. Donc 30 plus 2 sigma égale à 30,2. Donc c'est-à-dire que 30 plus 2 sigma, ça fait 30,2. Et après, en fait, c'est comme si c'était un x ici. On isole le sigma. Donc on enlève le 30. Pour enlever le 30, ça fait moins 30. Donc 2 sigma égale à 30,2 moins 30. Ça fait 0,2. Et après, pour enlever le 2 qui est ici en facteur, on divise par 2. Donc sigma égale à 0,2 divisé par 2, ça fait 0,1. C'est-à-dire que sigma, c'est 0,1. Voilà. C'est la fin du chapitre. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc là, vous avez le temps de le revoir, etc. De mettre pause, revenir. On va s'entraîner sur les exercices. Donc utilisation de la calculatrice, voir les liens dans la description. Donc je vais vous mettre les liens, mais je vous ai donné le site. Donc là, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Je vais vous mettre les liens dans la description, en bas là, de la vidéo. Et pour, comme je vous ai dit que normalement je devais faire le cours jeudi, là j'ai pris un peu de retard. C'est pas grave, mais pour mardi, vous faites ça, les trois exercices. D'accord, donc regardez bien revoyez bien les vidéos. Donc là, il faut m'expliquer pourquoi.
associée à chaque densité, c'est paramètres. Donc, quelle courbe correspond à une moyenne de 14 et un sigma de 1? Il faut dire est-ce que c'est la courbe 1, la courbe 4, la courbe 3 ou la courbe 2. Voilà. Après, là, vous prenez votre calculatrice. Donc là, ça veut dire grand M comme ça, c'est-à-dire loi normale. Le premier paramètre, c'est l'espérance. Donc ça, c'est mu égale 10. Et là, c'est sigma égale 9. L'écart type 9, mu égale 10. D'accord? Et là, c'est l'espérance égale à 1, mu égale 1. L'écart type 0,04, sigma égale 0. Voilà, je vous laisse faire en utilisant la méthode qui est utilisée dans le cours. Voilà. Et vous m'envoyez ça.